Eh bien, salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve une nouvelle fois sur Pine, un petit jeu d'aventure monde ouvert, avec un petit peu d'action. On a vu qu'il y avait quand même de l'exploration et des petites énigmes, bon, pas trop compliquées en tout cas pour l'instant. Nous étions en haut de cette falaise et on s'est rétamé comme de la merde, hein. N'ayons pas peur des mots. Et on a croisé un vieil homme sur une espèce d'éléphant. Alors, il faut savoir, dans le jeu, alors je ne vous l'ai pas dit au début, mais on le verra certainement dans cet épisode, l'être humain est l'espèce la moins évoluée. Donc il y aura énormément d'animaux, on pourra communiquer avec eux, parce que les animaux parlent. Et au final, on va pouvoir évoluer au niveau de certains peuples. On va dire. Donc on va déjà commencer à aller vers cette personne-là. On a du bois, hein, donc. C'est quoi, c'est de la mousse ça? Non, granit de. D'accord. Graphite de clé. Nouveau truc ça. Graphite de clé. Au bord de l'eau. Du bois. Ah mais il y a tellement à ramasser. D'accord. J'ai eu la malchance d'être ici quand ce grondement a commencé. Je suis désolé, mais qui êtes-vous? Le nom est Sud. L'une de Tambas. D'accord, ça doit être un peuple, les Tambas. Nous voyageons, nous étudions, nous pratiquons la politique. Et parfois, nous sommes coincés. Ah, je dois réparer ce pont pour faire revenir mon Alpafan. Ça doit être l'éléphant qu'il a, Alpafan. Voici donc une proposition. Tu m'aides à obtenir un peu de bois de mare et cordes de bois pour le pont et quelques aliments pour mon alpafran, car à la fin. Et je vais te chercher quelque chose pour ce blocage. D'accord. Alors ça doit être l'entrée pour remonter ici. D'accord. Car je pense que ça va être ton chemin. Je pense que ça va être ton chemin. D'accord. Il a l'air plutôt solide, mais j'ai récemment inventé un truc rien que pour ça. D'accord, très bien. Donc corde du bois de mare. Alors on va déjà récolter tout ce qu'on peut dans le coin. Alors est-ce que... Non, on n'a pas de carte pour l'instant. En tout cas, j'aime bien les décors. C'est simple, mais ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Il y a encore du bois. Ça va, le bois, on le voit d'assez loin. Mais la pierre, il n'y a pas cette icône dessus, j'ai l'impression. Bon, je crois qu'on a récolté tout ce qu'on pouvait, hein. Donc, corde de bois. Idée. Voilà. Donc là, on a tout. Nous y voilà. Aucun de nous n'est assez fort pour reconstruire ceci. Mais je trouverai quelqu'un qui le peut. Voici quelque chose pour te faire entrer dans cette caverne. Cela s'appelle un fût explosif. Et c'était pas discret. Ah bah oui. Touche-le avec un projectile et ça explosera immédiatement. Fais attention avec ça. Ok. Donc en fait, on nous bloque pour pas qu'on parte à l'aventure, qu'on puisse remonter au village d'abord. Alors, tu peux déployer certains objets dans le monde en utilisant Tab.
peut-être déclencher en tirant dessus. Ok, tab. Ça va, c'est quand même assez simple. Hop. C'est pas discret. Comme il a dit. Là, il y a un ascenseur. Pas de pierre à récolter. Je suppose que si on tire dessus, ça doit le faire monter, hein. Ah, ça reste pas. D'accord. Oui, ça redescend tout de suite. Je sens que ça va être un combat, c'est ça. Il est beau en tout cas, j'aime bien. Enfin, peut-être pas de près. Cela ne semble pas trop amical. Je regrette que Hammam ne soit pas ici. Il saurait quoi faire. Je vais devoir me battre. Lorsqu'une cible est suffisamment proche, mais qu'est-ce que tu fais, hein? De l'exercice. Et suffisamment proche, tu peux utiliser le bouton 3 pour viser. Le bouton 3? C'est pas le bouton 3, ça. Qu'est-ce qu'ils appellent le bouton 3? D'accord! Il y a le loquet. Oh merde. D'accord. D'accord, on peut. Il y a le. Un lock dessus. C'est quoi ça? Essence? Vos matériaux. Un fragment d'âme d'un organe de Cariblin. Attends, j'aurais voulu avoir d'autres. Un morceau plutôt gluant de viande de Blecker, d'accord. Blecker, créature. D'accord. Putain, il n'y a pas beaucoup, hein. Les zones. Oh, putain, tout ce qui est en zone. Ça, c'est les aliments. Matériaux. Essence, c'est ça. Un fragment d'essence de cariblin. Ce fragment ne peut être extrait. Des carrés blancs, ce qui est un peu. D'accord, donc il y a différentes sortes de couleurs apparemment. Tout le monde, à l'exception des carrés blancs, apprécie cette ressource très valorisée et appréciée dans certaines recettes d'artisanat essentielles à d'autres espèces. D'accord. D'accord, ok. Pas de soucis. J'ai perdu un petit peu de PV. Alors, on a un passage ici. Là, il y a une. On peut prendre la torche. Ok. Oh, il y a un trou. Oh, jusqu'à là, ça va. Pour l'instant, on va le laisser là. Je suppose que si je l'enlève, la porte se referme.
Ah bah c'est là, bah voilà. On est de retour ici. Ok. Je vais me faire engueuler. Enfin, quoique non, parce que du coup, ça n'a pas été de ma faute, hein. J'ai pas voulu descendre, moi. Est-ce que certaines ressources ont repop ou pas? Enfin, en même temps, ça doit être assez chaotique, le village. Rien à repop, hein. Ah oui. Oh putain, la vache. On voit de la fumée, hein, là-bas. Hein. Il y en a là-bas, il y en a là-bas. Peut-être c'est des camps. Oh, merci, tu es en sécurité. Nous pensions un instant t'avoir perdu. Es-tu blessé? Comment es-tu rentré? Es-tu tombé en dehors? Je vais bien. J'ai un peu mal à la tête. Mais j'ai rencontré cette créature merveilleuse, Sud. Il vit à dehors. J'avais si peur. Ça t'a fait mal? As-tu été attaqué? Non, non. Tout s'est bien passé. Il m'a aidé à revenir ici. Il était également au courant du mauvais état de ces falaises. Où est Amam? Je dois lui raconter ce qui s'est passé. Ouh, ça pue ça. You. L'effondrement a provoqué de terribles ravages. Louya, Adwin et Ju n'ont pas survécu. Et lui non plus, You. Mais il doit s'être échappé, non? Il a su esquiver, il a su s'esquiver. Il doit être en bas. Nous l'avons trouvé, You. Ah oui, non, là c'est pas pareil. Il a dû t'éloigner du danger. Nous sommes vraiment navrés. Je ne te crois pas. Il ne doit pas être loin. Amam est fort. Ah mais s'ils l'ont trouvé... Ou est-ce qu'ils l'ont vraiment trouvé? Parce que peut-être qu'ils me disent qu'ils l'ont trouvé. Non mais il y a... Enfin, si c'est des tombes improvisées, je veux dire, il y en a que deux là. C'est peut-être pour pas que je parte à l'aventure. Ils essayent de me gruger, les sagouins. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller là-bas. Ah oui, c'est à son squat. Hop. Interagir. C'est sa carte. Il allait cartographier le monde entier. You, reviens s'il te plaît dans la ville. Nous savons ce que tu vis. Nous devons commencer à reconstruire. Nous aurons besoin de l'aide de tous pour cela. Amam nous aurait aidé, lui. Aussi. Non, Amam aurait veillé à ce que nous trouvions un meilleur endroit pour vivre que ces falaises. You, il n'y a pas d'autre endroit où vivre. Dehors n'est pas une option. Cela ne l'a jamais été. Ce n'est pas vrai. Nous t'avons dit, humain était dans dehors avant. Ne crois pas ces dessins absurdes que tu as vus. Nous sommes trop faibles pour nous promener simplement dans les faubourgs. S'il te plaît, reviens sur la place, You. Nous allons trouver une solution.
J'ai quand même un doute sur la mort du frangin. Hein. Donc nous, on part directement à l'aventure. Là, on quitte le village. Hein. Là, c'est là où on était. Premier pas modeste. Tu as maintenant la carte d'Amam utilisée. Ok. D'accord, on peut zoomer. Non. D'accord. Bon, si la carte... Ah oui. Bon, elle est un petit peu plus grande que ce que je pensais au final. Hein, mais... Donc là, maison, maison, d'accord. Ça doit être nos maisons à nous. Ah non, ça doit être l'entrée de la grotte et la sortie de la grotte. Et ça doit être chez nous. Je pense que c'est ça. Ok. Hop, tout simplement. Donc, l'objectif est tout droit. On a au niveau de la boussole hein, aussi. Est-ce que par hasard il y a quelque chose qui a repoussé? Je pense pas, mais bon. Il a réparé le pont. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des œufs. Pas ramasser ça. D'accord. Il doit y avoir un truc. C'est quoi ça? Pourquoi il m'attaque? Tu es maintenant dans la zone d'exploration. Cela est indiqué sur la boussole. L'objectif est proche. D'accord. Aïe! Oh là là! Pourquoi il n'y a plus ma bouffe sur table là? Tra la loose. Alors. Chargement. Ça nous amène où pour le coup? Parce que je sais pas quand est-ce que il y a eu une sauvegarde. Pas facile. Au niveau des combats, pas facile. Mais si j'avais eu la bouffe qui était restée enregistrée à la base, ça se serait mieux passé. Donc ok, c'est là où il utilise M. On a compris. Pourquoi? On me l'a enlevé. Non, je t'ai pas dit de le bouffer, putain.
Ah, c'était des plumes. Ah, je les voyais pas tout à l'heure. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il était là pour... Vous pouvez voir comment mourir? Non, je pense pas. En tout cas, il y a quand même pas mal de trucs à récupérer. Oui, ça, je l'ai vu déjà. Il y avait quand même moyen de le tuer, hein. Donc le curseur reste dessus, c'est que il doit y avoir moyen. Bon, je vais pas chasser tout non plus, hein. Ils m'ont rien fait à la base. Donc apparemment, il doit y avoir un cycle jour-nuit, je pense. Alors on est sur la bonne zone, je pense qu'il nous dit d'aller là. Ouais, il y a mon copain. Te voilà déjà de retour? Hey. Tu as l'air inquiet. Pour autant que je sache, humain. Quelque chose de terrible est arrivé. Oh non, un autre glissement de terrain? Nous ne pouvons plus vivre sur cette falaise. Je dois trouver de l'aide. Nous devons bouger. Un nouvel endroit où vivre n'est peut-être pas si facile. Cette île est pleine de créatures beaucoup plus fortes et plus intelligentes que toi et moi. Ou bien plus intelligentes que toi, du moins. Tu vois, toutes ces tribus se disputent le territoire et la nourriture. C'est vraiment le désordre parfois. En fait, j'étais juste ici pour observer certains villages. Parce que je ne sais même pas qui les occupe en ce moment même. Ça pourrait être les croqueurs, les litters, les cariblins. D'accord. Voici ma proposition. Recherche des caisses connues sous le nom de boîtes de dons. Elles sont utilisées par toutes les espèces pour partager et se donner des ressources les unes aux autres en temps périlleux. Je pense que si tu fais un don à un village, puis que tu trouves ce village, il pourrait te laisser entrer ou même être en mesure de t'aider. Ok, je vais essayer. Pour être honnête, je suis peu impliqué dans tout cela. Les temps passent, nous observons, apprenons, étudions, dans le confort de notre petite maison. Je le marquerai sur ta carte, au centre de l'île, au cas où nous aurions besoin de toi. D'accord. Tu peux suivre les relations d'affinité avec les espèces dans le menu. D'accord. Les boîtes de thon. Alors, il y a un drapeau. Les boîtes de thon se trouvent le long des chemins qui mènent vers les villages et près des villages. Lors du don, les objets seront transférés dans le village concerné tout en influençant les relations avec toutes les créatures de ce type. Tu peux trouver des boîtes de thon sur ta carte. Ça, c'est une boîte de dons, ça. C'est pas clair. Donc on peut mettre différentes couleurs. Donc on voit par là. Où je regarde, d'accord. Objectif, équipement, glossaire, espèce et affinité. Je veux bien. Peut-être dans le glossaire. Ils ont dit qu'on pouvait voir dans notre menu.
Alors peut-être qu'il faut faire au moins un don. Possible. On a quoi? D'accord, là il y a un village déjà. À mon avis, j'ai pas l'objet adéquat. Je vais regarder un petit peu encore au-dessus et on va aller voir le village. Non mais il est bien trop fort. Oh putain, ah oui. Non mais on va aller au village. Je pense que c'est pas mal. Le village. Alors. On a encore des herbes. Ah, je peux pas le cuire. Je peux pas le cuire. Je peux pas le cuire. Des lucioles ici. Graphite de clé, d'accord. Je pensais que ça aurait été du graphite, ça aussi. Il y avait des lucioles autour. Alors ça... Ah, ça avait peut-être pas poussé. Ah mais non! Encore toi? D'accord, j'utilise le pattern. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Il a deux barres de vie? Et merde! Putain, c'est dur. D'accord, oh putain, mais... Non, c'est putain. Ah, il fait 3. Non! Pourquoi je peux pas... Putain, mais c'est un truc de fou, ça. Oh là là. C'est extrêmement dur au niveau des combats, hein. Oh, attends. J'ai l'impression que ça lui fait rien, hein. Ah mais je peux pas esquiver après là. Oh mais c'est un truc de fou. Oh, un mob hein. C'est bon.
pochette pleine. Comment ça, pochette pleine? Ah putain, ouais! Ah oui! Ça me remet de la vie. Essence, perle miroir. Je sens que c'est des trucs quand même assez importants. Des trucs que je peux prendre. Brevet. Alors, qu'est-ce que je peux dégager? Lâcher objet. Brevet du ramasseur. Donné par le chef d'un village, le brevet du ramasseur te charge de découvrir les environs et de ramasser de la nourriture et du matériel. Ah. Ah, ça y est. Hostile. Merde. J'espère que les objets disparaissent pas. Je vais faire des dons. J'ai vu qu'il y avait la boîte ici. Des masses. Ça, si. Neutre. Est-ce que je peux ramasser le reste? T'as pas disparu. Et du coup, niveau des items, grès de sable, as commun, c'est quoi? Je peux généralement trouver matériau extrêmement résistant. Dégageant un bleu éclatant qui le rend très recherché par certaines espèces. D'accord. Perle miroir. Une perle brillante et précieuse qu'on trouve sur les plages. On ne sait pas si la mer recouvre les perles avec du sable ou si elles sont cachées par les... D'accord. D'accord, ok. Donc je pense que ça doit être pour les dons, ça. On va leur filer. Ouais, j'ai pas beaucoup de place, hein. Alors, maintenant je suis neutre. On va pouvoir aller au niveau du village, je pense. Entrer dans le village amical. Donc là, ça a pas poussé. D'accord, c'est pour ça qu'il y a les petites icônes. Là, y a rien. Y a pas de poisson.
C'est quoi ça? D'accord, donc il va falloir explorer le village. Donc ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. Merci encore de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.